Valtelli. Alors, c'est une 101 cm et elle est super cool au niveau graphisme. Je n'ai rien à dire. Franchement, j'ai bien fait de la prendre. Je l'ai payé un peu plus cher que je ne voulais pas. Quoi. C'est un peu dommage, mais franchement, je suis pas mécontent d'être allé la chercher avec mon frère hier. Et sans déconner, c'est un plaisir de jouer avec. Donc, normalement, vous avez prévu du Virgo. Normalement, si pour ceux qui ont regardé la vidéo live, avis abonné live, normalement, si vous avez vu le titre. Donc, on va chercher la première fois que je lance un DZ, c'est la première fois. Je sais pas du tout si le chargement. C'est la dernière fois. Monumental. Ah bah non, aujourd'hui j'ai eu de la chance. Je pense qu'ils devaient se dire, oh attends, ils sont en vidéo, on va faire le nécessaire pour qu'ils trouvent une partie. Donc première partie, première vidéo, je sais pas sur quoi on va tomber. C'est la première fois, j'ai déjà vu des youtubeurs faire des vidéos dessus, mais je voulais tester déjà ce jeu, une survie en plein air avec d'autres joueurs qui peuvent nous attaquer et en plus de ça des zombies. Impeccable. Et vu que j'ai en temps normal une connexion de P2, alors voyons voir. Nous arrivons. Ok, d'accord. Ça lag un peu, j'ai l'impression. Ok, alors, on va sauter. J'ai un zombie là, super. Chic, prends. C'est quoi ça? Attendez. Est-ce que. Oula. Ça a l'air compliqué. Maintenir pour lâcher. Alors attendez, hein, c'est la première fois que je. Hein. Maintenir pour lâcher, je l'ai toujours dans la main. Ok. Ça a l'air un peu compliqué quand même. Ok, alors j'ai un truc dans la main, je sais pas ce que c'est. Séparé. Ça a l'air bien compliqué quand même comme truc. Vide, vide. Bon, ça commence déjà très mal. Ça commence déjà très mal à la main. Ok, mais comment on fait pour la vider ta main? Ah, ok. Thank you.
Ok, d'accord. Alors ça, c'est l'inventaire. Je l'ai mis le pantalon. Ok, alors c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Ça c'est quoi? Veste tailleur. En maintenir pour mettre. Bon, bien compliqué tout ça. Alors attendez, là c'est la ceinture. Ah, parce que j'ai déjà des trucs en fait. Mais comment on fait pour remplacer? D'accord, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Et là, matière pour lâcher. Donc, ok, bon, ça c'est fait. Donc, ça c'est quoi? C'est Panta Suite. Donc. Donc, ça, enlève. Attendez, 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 parce que là, je comprends plus tout, là. Alors, c'est du 6 et du 6. Ah ouais, mais attendez, parce que j'ai mis l'autre. Hop. Puis je vais le lâcher, ce truc-là. Ok, ok. Bon, bah, c'est temps de se faire, aussi, hein, je pense. Ok, donc on peut pas aller là. Il y a quand même pas grand-chose, j'ai l'impression. Ok, d'accord. Alors est-ce que c'est déjà des affaires que d'autres personnes ont lâchées? Je sais pas du tout. Ok, là il y a un quoi? Short. Ok. Bah, il n'y a rien d'intéressant. C'est vide les baraques en fait. Bon, il y a des donjons. Ok, alors, ouais, d'accord, ok. Oh, mais lui, tu tapes un sprint. Oh, c'est quoi ça? Oh, je viens d'arriver là, ça suffit. Je vais me faire démonter pour première minute, quoi. J'ai même pas une arme ou quoi. C'est la gueule au point, tout bonnement. Ok, ok, ouais, d'accord. Ok, on peut leur casser la gueule au coup de poing. Ok, ouais. Bon, quand ils sont plusieurs, je pense que... Allez,
Ça suffit. Retourne dans ta tombe. Allez. Pas les loot. Non, pas les loot. Oh mais oh, ça suffit. Foutez-moi la paix. Tout avec son casque de soudure, quoi. Ok, des balles. C'est les cartons. Non. Putain, il était là, lui. Casque de soudure, ça aurait été marrant. Ok, les water, y'a rien. C'est quoi ça, kit d'entraînement d'armes? La boîte, une boîte contenant toutes les nécessités pour entraînement de l'arme à feu. Ah d'accord, d'accord, ok. J'ai compris. Donc, veste, tailleur, j'ai 30 places. Pantalon, j'ai... on va dire pantalon. J'ai 20 places, ok. Ça c'est quoi? Bâton luminescent, ok. Une source automatique de lumière chimique, une fois activée. Impossible d'atteindre. Ok. Oh, je suis beau. Alors, est-ce qu'il y a tout bonnement une carte dessus là? Ligne inventaire abîme, ouais. À part se protéger ou quoi que ce soit. Le gore. Quoi ça? Veste jean, ok. Quoi ça? Kit de réparation pneus. On va prendre. Tente de travail, ouais. Y'a quand même pas. Boussole. Il faut que je mange, mais que je mange et que faut que je boive. Mais pour le moment, j'ai rien trouvé de quoi manger. J'ai pas de quoi manger. Alors là, j'ai un casque de chantier, j'en ai rien à foutre. Ça, le kit, je le prends. Il n'y a qu'une vue comme ceci. Donc, ça. Radio, hein? Radiateur de voiture. Tu vas quand même pas me dire qu'il y a des voitures à réparer quand même dans ce jeu. Si? Dites-moi en commentaire. À part si j'en trouve une entre temps. Mais... Ça m'étonnerait que celui-là en plus le réparer. Je
J'ai vu un zombie de l'autre côté. Deux zombies. Le truc, c'est que... Bon, je sais pas, je connais pas du tout le jeu. Je sais pas si je vais tomber sur des joueurs. De toute façon, j'ai rien d'intéressant, on va dire. Je sais pas du tout s'il faut. Pour ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire. Je pense que quand on recommence, on prend une partie. Je pense que le truc sac en jute. Ça, je prends. Hein, c'est quoi ça? Sac en jute. Boussole classique, elle permet d'orienter. Ouais, j'ai failli éternuer, putain. Il n'y a rien d'intéressant, c'est vide en fait les... Bon certes c'est un jeu de recherche, il n'y a pas beaucoup de zombies. Je pensais qu'il allait y avoir plus de zombies que ça en arrivée, mais... arrive à quand même à mettre des tatanes quand même, hein. Faut pas dire, mais ils font quand même assez mal, ils font pas si mal que ça. C'est fermé monsieur, amenez plus tard. Bonjour. Vous avez demandé à vendre de l'essence. Ok, bah il a disparu. Oh non, il est bien. Par contre, moi la bouffe, je voudrais bien trouver quand même. Je vois comment ça fait. Parce que c'est bien gentil de trouver des vêtements, mais c'est pas les vêtements qui font la survie, quoi. Les vêtements, j'aurais pu tout bonnement garder les premiers vêtements. Or là, il y a une ville. Il y a une ville. On va aller voir dans la ville. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de zombies. Nous sommes déjà à 18 minutes de vidéo. J'espère que c'est une vidéo. En plus de ça, c'est un jeu en ligne. Et ça... Allez, frère, allez. Allez, j'arrive. Dans le mur, je bouge plus. Allez, on ferme là. J'imagine qu'il y aura d'autres portes ouvertes. Ok, il n'y a rien d'intéressant là. Dommage, on ne puisse pas casser le carton. Oula, il y a eu un petit lag là. Ok, il n'y a rien d'intéressant là. Ouvrir les placards. Non, pour ouvrir les placards. C'est une presse. Ah mais c'est une presse en fait, c'est une fabrique de... Bon, mais attendez, s'il faut chercher pendant 2 heures de l'eau, de la bouffe, et puis tu restes comme ceci. Fermé, d'accord.
Ça sert à quoi de mettre des escaliers? Ça, c'est quoi, une veste costume pour moi? Nada, en fait. Alors est-ce que ça dites-moi en commentaire pour ceux qui jouent à ce jeu, dites-moi en commentaire si veste costume pour ok, mais le truc c'est qu'il n'y a même pas de bouffe quoi, c'est ouf. Est-ce qu'on peut fouiller le... Non. Ah, ma bouffe, regardez comment elle descend. C'est n'importe quoi. Bon, il n'y a pas tant de zombies que ça. Je pensais qu'il allait y avoir plus de zombies que ça. Mais apparemment, c'est quand même assez aisé. Je sais pas à quoi ça peut servir une marmite. Je pense pas qu'on puisse se battre avec une marmite quand même. Sac à dos. Voilà. Bon bah déjà on a plus de place, on a un sac à dos. Ok, donc j'ai un sac à dos. Bon, déjà le jeu a l'air assez complet quand même. Je ne veux pas cracher dessus. Le truc c'est que j'ai pas l'impression. Ok. On fout la paix. Ok, alors là c'est des couloirs. Ça peut en foutre. Ok, là j'imagine qu'on sort dehors. Là on peut rentrer, là on peut... Voilà. Ah. Ah, mais il n'y a vraiment pas de bouffe quoi. C'est un délire quoi. Ah, je quitterai pas la vidéo tant qu'il n'y a pas de... tant que je trouverai pas de bouffe. Hein. Bon, si à partir que je meurs quand même. Robe à couple ou deux. Ok. Il y a quand même beaucoup de portes fermées, je trouve. Pour un jeu en ligne, je trouve qu'il est graphiquement parlant, bon bah c'est un jeu en ligne, quoi. Mais je pense qu'ils auraient pu faire autre chose. Sans chair, de graines, de poutir. Bah ouais mais lol. Lol, tu veux que j'en fasse quoi des sachets de poutir? Si vous les semez pendant prenez soin de la pousse. Oh, il y en a combien là?
Oh là 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 là, mais ça a l'air compliqué quoi. Trouve une graine, l'autre de la multiplie en. Et c'est le truc, c'est qu'on trouve même pas une arme ou quoi que ce soit, quoi. Je sais même pas comment on peut faire pour manger. N'en parle plus de la graine, là. La graine de merde. Un deux. Je croyais que c'était le micro qui faisait. Mais non, en fait, c'est quand je marche que ça fait du bruit. Alors, attendez, on ferme déjà les portes. Tranquille. Bon, ça a l'air d'être les mêmes bâtiments, j'ai l'impression. Je suis pas tout seul ou quoi? Pas être tout seul, hein. Désolé, mais bizarrement, il doit y avoir quelqu'un d'autre avec. De ville. Pas mal. Pantacourt, ok. Mais il doit y avoir quelqu'un d'autre, hein. Parce qu'il y a des. Il y a des zombies qui sont par terre. Et enfin bon, c'est un risque à me faire tuer, mais je voudrais bien voir comment ça se déroule quand tu rencontres quelqu'un. J'ai pas trouvé de bouffe depuis le début. J'ai pas. Salut. Putain, il y a des balles. Ah mais non, hey, oh, file-moi les balles, fumier. Putain. Pardon. Il y a un robot. Hop, on va la poche. Et d'autre côté. Ah, je suis à deux doigts de crever, hein, comme vous l'avez remarqué. Donc je vais pas aller bien loin pour la survie. Mais je pense que un peu plus poussé, en connaissant un peu plus le jeu, tout ça, je pense qu'on doit savoir où sont à peu près les loots les plus importants. Ah, le truc c'est que je ne savais pas du tout où j'allais spawn, je savais pas ce que c'était, je connaissais pas le serveur, surtout que le serveur apparemment, il y a pas mal de serveurs comme vous l'avez remarqué, et c'est l'une des choses, j'ai l'impression, qui, ben, voilà quoi, une scie. Est-ce qu'on peut se protéger avec une scie? Ok. Peut grimper, peut sauter correctement. Bah les amis, je pense qu'on va se laisser là, hein, parce que je vais pas aller plus loin. Moi je trouve que pour un jeu en ligne, je pense qu'ils auraient pu faire mieux quand même. Déjà au niveau des loot, déjà, parce qu'on trouve que des vêtements. Ça, les vêtements, on en trouve en long et en large. Qui rajoute un peu plus de nourriture, parce que comme vous le voyez, moi la nourriture c'est quand même descendu pas mal basse. Alors est-ce qu'il faut cuire, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut aller en pleine forêt pour trouver de la nourriture, je sais pas du tout, je connais pas du tout le jeu. Les zombies, bah il n'y a pas grand chose à dire, franchement ils sont assez faciles à tuer.
Même beaucoup de points, franchement. Après, j'aurais bien voulu rencontrer des joueurs. Alors, je pense que moi, dans mon coin, je pense que je devais pas être tout seul parce que, comme vous l'avez remarqué, il y avait des zombies qui étaient déjà morts. Et la plupart du temps, moi, je fermais derrière moi, donc les zombies ne me suivaient pas, donc c'était pas moi qui les tuais. Donc, je pense qu'ils étaient, soit il était tout seul et puis il les a tués à main nue, ou il avait un pistolet, mais j'ai pas entendu. Le truc, c'est que j'ai pas de casque, donc j'ai pas pu entendre si s'ils étaient à l'arme. Donc, moi, je pense que je vais finir. Ouais, et puis ouais, il est en train de souffrir à mort. Je vais finir de looter cette maison et on se dit à la prochaine, les gens. C'était The Phoenix. Peace. Mais j'ai plus de poids.